Il totalise plus de 150 millions de disques vendus. Ce sont les légendes du disco. Les Village People, Patrick Hernandez, Boney M ou les Gibson Brothers. Dans les années 70, ils ont raflé la mise avec des tubes que personne n'a oubliés. On les disait has-been, aujourd'hui ils font un triomphe le temps d'une tournée, un comeback inespéré. Le train passait, on est monté dans le train et on a fait la route, on a fait le truc, voilà. C'est ça. Et maintenant, bon, ça y est, on est redescendu du train puis on fait autre chose. Comment ont-ils géré leur succès fulgurant? Qu'ont-ils fait ces 30 dernières années? Et comment rebondir quand on n'a signé qu'un seul succès? L'avantage que j'ai par rapport à ma situation, c'est qu'effectivement, j'ai absolument plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ma vie. Il ne travaille plus, mais il revient pour le plaisir de la scène. Le disco est de retour. 18h, salle du Zénith de Lille. Dans ce bus climatisé, voici les superstars de la tournée disco. Les Village People. Complètement méconnaissables sans leur tenue de scène. Lui, c'est le cow-boy. Voilà le militaire américain. Le motard. L'ouvrier de chantier. Et enfin, le policier. Quant à l'Indien, il n'a plus 20 ans. Là, il termine sa sieste. De l'autre côté du Zénith, ils sont déjà des centaines à patienter depuis le début de l'après-midi. Et ils sont chauds bouillants. Pour tous ces fans de disco, c'est l'occasion de retrouver la folie de leur jeunesse, ou celle de leurs parents. Corinne était adolescente dans les années 70. Parmi les stars présentes ce soir, il y en a une qu'elle n'a jamais oubliée. Alors, je suis venue voir en particulier Patrick Hernandez. Pourquoi ? Parce que... avec lui, je vais revivre ma jeunesse. Tous les moments de danse, de... ah là là, j'avais le droit d'aller danser, alors je dansais là-dessus. Born to be alive. Patrick Hernandez, le voici, alors que les autres artistes sont déjà en répétition depuis de bonnes heures. Lui n'a qu'une seule chanson au programme ce soir. Le tube des années disco, Born to be alive. J'ai pas vraiment besoin de répétition pour Born to be Alive, que je commence à connaître par cœur. Donc finalement, j'arrive un petit peu après les autres, c'est vrai. Le morceau est disque d'or ou de platine dans plus de 50 pays. 10 millions de copies vendues entre 79 et 80. Patrick Hernandez est devenu multimillionnaire. Monsieur Robert. Depuis plus de 10 ans, il s'est installé à Lille-sur-Sorgue, dans le sud de la France. Oubliez les frasques des années disco, il mène ici une vie tranquille, loin du showbiz. Les habitants de la région l'ont adopté. Et quand on aborde sa carrière fulgurante, ils sont fans inconditionnels. Il n'y a pas d'autre chanson aussi forte dans le patrimoine français. Il y a la Marseillaise. Non, mais bon, il y a la Marseillaise parce qu'elle est vieille. Après, il y a quoi? Après, il doit y avoir un truc d'Edith Piaf, La vie en rose et Born to be alive. Voilà, on a le triptyque magique, quoi. Mais bon, après, moi, je sais pas. Hein. Ben, finalement, il n'est pas loin de la vérité parce qu'au classement, effectivement, des chansons françaises les plus vendues et commercialisées à l'étranger, je parle de l'étranger, hein, il y a en premier le boléro de Ravel, en deux La vie en rose et en trois Born to be alive. Donc en fait, il dit pas que des bêtises, mon camarade. Patrick Hernandez mène aujourd'hui une vie de père tranquille avec sa femme Laetitia et sa petite fille Victoria, âgée de 2 ans. Elle lui apporte aujourd'hui un bonheur qui n'a pas de prix. Pour elle, il a fait évoluer son répertoire. Il en faut très très peu pour être heureux. Voilà, nous sommes arrivés. En arrivant chez lui, on constate tout de suite qu'il a su gérer intelligemment son succès. Au milieu d'un parc d'un hectare, il s'est acheté un mât provençal avec piscine. Les amis y sont toujours les bienvenus. Bienvenue chez les Hernandez, bienvenue chez nous. Si vous voulez bien vous donner la peine. À l'intérieur, 8 pièces totalement refaites à neuf, comme ce salon gigantesque. Et l'indispensable home studio suréquipé. Une technologie qui lui permet de continuer à composer pour son plaisir, car il n'a plus besoin de vendre sa musique. Cause I love you.
L'avantage que j'ai par rapport à ma situation, c'est qu'effectivement, j'ai absolument plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ma vie. Donc, ça, c'est un sacré avantage. Et pour créer ce morceau en or massif, il a juste eu une bonne idée. Celle d'ajouter un rythme disco à une mélodie des plus simples. Born to be Alive est faite de quelques notes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de notes quand on chante. Time was on my side when I was running down the street. It was no bye, bye, bye. Effectivement, c'est très simple. Quelques accords qui résonnent comme un classique. Et pourtant, ce tube planétaire a failli ne jamais voir le jour. En 1978, en France, aucune maison de disques n'en voulait. C'était non, on n'en veut pas. Le disco, c'est fini. Patrick Hernandez, c'est un nom à chier. Il faut le changer. Lalala. Et la chanson, qu'est-ce que ça veut dire? Born to be Alive, en anglais, vous vous permettez de chanter en anglais? Patrick Hernandez joue alors la dernière carte d'une carrière de musicien qui ne décolle pas. Il se tourne vers l'Italie. Deux semaines plus tard, il est numéro 1. Même succès aux États-Unis. Un carton planétaire qui va coûter la carrière au producteur français qui avait refusé la chanson. Quand on a signé le contrat avec CBS aux États-Unis, c'est-à-dire avec son patron, quoi, en fait, hein, le mec, il a fait deux jours, quoi. Deux jours après, il était dans un placard, parce que passer sur un titre comme Born, quand on est patron de CBS en France, c'était gravissime, quoi. C'est gravissime. Faut avoir des oreilles en carton, quoi, mais vraiment. La chanson a fait le tour du monde, de New York aux discothèques les plus reculées du Chili. Et Patrick Hernandez a accumulé les records. Numéro 1 dans le monde entier en 1979, premier français à obtenir un disque d'or certifié aux États-Unis. Au total, 26 millions de disques vendus, même sa canne est devenue mythique. Eh bien ça, c'est la célèbre canne de Patrick Hernandez. Voilà, l'original, la seule, l'unique, la dernière, la première. Et il n'y a pas de Patrick Hernandez sans sa canne pour faire born. Figé dans sa légende, Patrick Hernandez n'a jamais retrouvé de succès comparable. Qu'importe, la machine à cash marche toute seule. Combien rapporte Born to be Alive par jour? Donc voilà, alors je dirais entre 1000 et 1500 euros par jour. Soit près de 500 000 euros par an, et ça fait 30 ans que ça dure. Ce n'est donc pas pour ces 2000 euros de cachet par concert qu'il sort de sa retraite dorée, mais bien pour retrouver l'ivresse de la scène et le contact avec le public. À la fin de sa prestation, Corinne a réussi à rejoindre Patrick Hernandez dans les coulisses. Il n'a pas voulu me donner sa canne, hein. Ah non, je fais semblant. Un rêve de jeunesse qui se réalise. Vous touchez la canne, Patrick. Ben, oui, avec plaisir. Oh là là. Alors, la canne à Patrick. Non, c'est quand même pas toujours la même que quand j'avais 15-16 ans. Si, c'est la même. Patrick Hernandez prolonge le plaisir du comeback avec ses camarades. Pendant ce temps, dans les loges, Bobby Farrell, le chanteur de Boney M, est en pleine session coiffure. Un peu de lac pour souligner l'effet naturel de sa perruque. Une fois dissimulée sa calvitie, Bobby Farrell s'apprête à remonter sur scène avec la même envie qu'en 1976. Recruté comme danseur lors de la formation du groupe, il s'est imposé en leader charismatique avec ses tenues de scène de maître voodoo. Aujourd'hui âgé de 59 ans, Bobby Farrell assure le show. Des pas de danse enchaînés avec un style inimitable qui provoque l'hystérie dans le public. Des moments inestimables pour cet accro de la scène. Il est récemment allé jusqu'à Dubaï pour ravir les fans de disco. Les frères Gibson, eux, font encore 200 dates par an à l'étranger grâce à Cuba, un tube planétaire. À leur tour de retrouver le public français. Chantée en espagnol et en français, cette chanson s'est hissée en 1980 à la première place des hits dans 16 pays. Un succès venu de nulle part. Le Pré Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis. Ici se trouve le fief des frères Francfort, rebaptisés les Gibson Brothers. Nés à la Martinique dans un milieu modeste, Patrick, Kate et Alex ont vécu l'apothéose en inventant un mélange osé de salsa et de tenue disco flashy. Un cocktail que le fils du batteur du groupe a mis des années à digérer. Moi, je l'ai caché pendant des années à mes copains, moi. Pourquoi? Parce que quand on est petit, voir son père en,
en costume jaune, c'est dur. On s'amusait avec la musique, quoi. Donc, à aucun moment, on s'est pris au sérieux. Mais à aucun moment. C'est-à-dire que s'il fallait s'habiller en jaune, ben voilà, on s'habille en jaune. S'il fallait s'habiller en rose, on s'habille en rose, quoi, avec les conseils du producteur. Ça se ressentait sur scène, partout, les gens achetaient les disques, tout ça. Et les gens se retrouvaient là-dedans, c'est-à-dire que les gens sortaient de leur bureau et disaient « Tiens, je vais acheter le disque Gibson ». Notre plus grosse vente, ça a été 50 000 disques en une après-midi à Londres. Au mois de juillet 81, entre 13h et 18h, ils ont vendu 50 000 disques. Voilà, ça, c'est le record. À 20 ans à peine, les Gibson Brothers font plusieurs fois le tour du monde, collectionnent les voitures les plus extravagantes et vendent 10 millions d'exemplaires de Cuba et de leur second tube, « Que sera mi vida ». Aujourd'hui, cette époque est rangée au rayon des souvenirs. Le train passait, on est monté dans le train et on a fait la route, on a fait le truc, voilà. C'est ça. Et maintenant, bon, ça y est, on est redescendu du train puis on fait autre chose, quoi. 30 ans après, les Gibson Brothers ne sont pas à plaindre. Ils ont acheté un studio d'enregistrement, plusieurs maisons et ce restaurant du quartier des Halles à Paris. À l'étage, ils ont créé une petite salle de concert. Des groupes réputés s'y produisent, mais surprise, pas les Gibson Brothers. Mon papa, il arrive à jouer devant 10-15 000 personnes, mais il ose pas monter jouer sur une scène de 80 personnes. Parce que ici, c'est tout petit, donc c'est très intime. Et c'est ce que les gens aiment. Et les musiciens, ils savent que s'ils ratent une note, ça se voit tout de suite. Alors que sur une énorme salle, ça se voit pas. Donc... Ah bah je suis un peu timide. Non, c'est vrai que j'ai jamais osé jouer ici. Voilà. Mais ça viendra un jour. Au zénith de Lille, l'énergie est intacte. Seule différence avec les années 80, les tenues qui ont gagné en sobriété. C'est disco! Il n'y a pas de crise dans le disco! Les perruques et les lunettes sont de sortie, c'est la tenue officielle du fan de disco. Un merchandising efficace, c'est 10% du chiffre d'affaires de la soirée, 150 000 euros. Un succès en forme de revanche pour l'organisateur Olivier Kaeffer. Surnommé l'antiquaire du showbiz par ses détracteurs, il a écumé pendant des années les foires au boudin avant de décrocher le jackpot. On était des baltringues qui produisent des has-been, donc personne ne viendrait parce que c'est pas très politiquement correct d'aller applaudir des chanteurs du passé. Et l'engouement autour de ces chanteurs du passé est tel que le cinéma se penche sur le phénomène. Un film est en préparation sur l'histoire d'Olivier. C'est l'acteur José Garcia qui tiendra son rôle. Mais ce soir, ce sont eux les grosses têtes d'affiche de la tournée, les Village People. Ils sont les seuls à avoir réclamé un bus et une loge séparées. Lancés à l'origine pour séduire le public gay, ils laissent toujours planer un savant mystère sur leur homosexualité. Non, on n'est pas tous gays. Certains dans le groupe ont des familles et des enfants. En fait, c'était une stratégie marketing. Parce que la disco est née dans les clubs homo. C'était une musique marginale qu'on écoutait dans les boîtes gays ou les clubs fréquentés par les noirs et les hispaniques. Donc le côté homo, c'est juste une technique marketing qui a très bien marché. À l'origine de ce plan marketing, le français Jacques Morali. En 1976, il a une idée de génie, former le premier boys band déguisé de l'histoire de la musique. Un produit tellement fort qu'il survit à la mort de son créateur, ainsi qu'à celle de Glenn Hughes, le biker. Quant au cow-boy d'origine, il s'est retiré dans un ranch. Qu'importe, à chaque disparition, on trouve un sosie et les tubes se succèdent. Au total, 85 millions de disques vendus. Les Village People, c'est du lourd. On gagne encore beaucoup d'argent, ouais. Vous posez vraiment des questions très très personnelles. Vous voulez aussi regarder nos relevés bancaires, non? Sur la tournée Disco Show, ces businessmen accomplis touchent le plus gros cachet. 14 000 dollars par soirée, soit un peu plus de 10 000 euros pour 3 chansons. Même Patrick Hernandez est impressionné. Sur scène, ces légendes vivantes du disco justifient amplement leur cachet, avec des refrains entendus des milliers de fois et des chorégraphies qui n'ont pas bougé depuis 33 ans. Dans la salle, c'est du délire.
Personne ne pensait pouvoir revivre de tels instants. Les 3000 spectateurs du Zénith de Lille font une dernière ovation à tous les artistes de la tournée. Jusqu'à la fin du mois, ils propageront la fièvre du samedi soir à Rouen, Dijon, Nantes, Rennes et Tours, en passant par le Zénith de Paris le 28 mai.